Seigneur, je te bonjour et surtout merci de nous retrouver sur ce plateau de entrevue. Entrevue aujourd'hui sera consacrée à un livre qui est une nouvelle page de la connaissance de l'histoire de Kinshasa et dont l'auteur Manon Akitoa est notre invité. Bonjour Monsieur Akitoa. Bonjour Monsieur Paulou. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout de nous aider à découvrir avec vous les pages choisies de cet ouvrage qui, je rappelle, est le fruit d'une recherche de près de 15 ans. 15 ans que vous êtes lancé sur les traces de Ngaliema, Pierre Mungwele et bien sûr le descendant de Ngaliema, Strebos Ngakos. Est-ce que c'était facile? Non, c'était pas facile déjà pour rassembler tous les documents et faire chercher les témoignages. C'était pas facile vu que bon, je me retrouve en Europe et il faut chercher soit en Belgique, ici en France et je dirais c'est. Ouais, il faut vraiment de la volonté et de la passion pour faire ça, c'est pareil. Vous avez la passion, une passion au départ, c'était peut-être découvrir Ngarkos, mais vous êtes rendu compte que derrière Ngarkos, c'est en tout cas l'histoire des Batekés de Kinshasa qui, quelque part, a été trahi et qu'il fallait recueillir, réhabiliter. Effectivement. Donc, l'idée de départ, c'était la biographie de Strebos Ngarkos, savoir qui il était et ce qu'il disait dans ses chansons, si c'était vrai ou si c'était juste de l'imagination. Donc, c'est pour ça, et, ça fait partie de la base. Ces chansons, ça fait partie de la base de mes recherches. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, j'ai vu que l'histoire de Kinshasa commençait à disparaître. L'histoire de Bateke commençait aussi à disparaître et il y a aussi une falsification de l'histoire, même par rapport aux livres que je lis ou des bouquins scolaires universitaires du Congo, parce que l'histoire des. Les Bateke, c'est pas uniquement Kinshasa, mais ça fait partie de l'histoire du Congo. Donc je vis qu'il y a eu des falsifications et peut-être une volonté de faire des copier-coller de tout ce qui a été dit, mais sans chercher à vérifier si c'est vraiment vrai. Oui. Donc moi je me suis basé, d'être plus objectif dans mes recherches, que de ne pas me contenter d'un simple. D'une citation, mais de trouver les documents et moi-même de lire, de faire mes résumés. Alors, parlons au vrai sur Kinshasa. Quand vous parlez, vous évoquez les Bateke, vous avez travaillé pendant 15 ans, au moment où vous avez commencé, vous avez dit il y a des traces qui disparaissaient. Mais aujourd'hui, 15 ans après, que reste-t-il encore des traces de cette histoire de Bateke avec Kinshasa? Ce que je peux dire, sans le savoir, en écrivant ces livres, j'ai accompli deux prophéties. Il y a la prophétie de Ngarkos, ce qu'il dit dans ses chansons, par exemple, les États-Unis d'Afrique. Il dit à son père, comme quand il est parti en Europe, achever l'histoire de ses ancêtres avec les colons, avec les Belges. Et moi, je viens d'accomplir cette prophétie par des documents. Attention, quand vous dites que Ngarkos, vous lui donnez pratiquement une dimension prophétique. Pourtant, on connaît l'histoire de Ngarkos, Dieu merci, c'était réhabilité par la musique. Mais à un moment donné, il s'est perdu, ce fils, son prince, Téké. Bon, l'histoire de Ngarkos, je dirais, le défaut qu'on a chez nous en Afrique, par rapport à ce qu'on dit, des gens qui a fait des méfaits et tout ça. Mais ce qui est important, c'est de le connaître. C'était pour ça que je me suis dit, j'aimerais bien savoir qui était Strebos Ngarkos. Quand je dis la prophétie, parce qu'il a dit des choses, c'était un philosophe. Hein. Ça, il ne faut pas douter, c'était un philosophe. Dans mes livres, je lis le livre de mon venir. J'ai dit que c'est à la profondeur de ces textes. Oui, dans la profondeur de ces textes. Ouais. Lorsqu'il dit, ça fait partie de la philosophie. Donc, je l'ai étudié, mais bon. J'aurai le temps de le dire en long et en large, mais quand je parle de la prophétie, il a dit ça. Ouais. Personne ne le croyait. On dit, ouais, bon, il vit ce qu'on dit sur sa jeunesse, donc c'était quelqu'un
un voyou, bon, on ne peut pas faire attention à ce qu'il dit, mais il disait vrai, parce que ses chansons sont autobiographiques. Donc moi, j'ai commencé à écrire sur lui, et en même temps, j'ai découvert, sans le savoir, comme je dis, il y a deux prophéties, une prophétie de Narcos, et la prophétie, si vous me permettez, la prophétie des chefs Limoila. Parce que vous me demandez la disparition des traces, des vestiges historiques, des traces. Il y a le chef Limoila, dont je parle ici dans le livre, je ne savais pas qu'il avait prédit un jour viendra un enfant qui parlera des Bateke, je ne savais pas. Et c'est le chef Ngali Mantsele qui me l'a dit, parce que j'ai découvert la tombe, sa vraie tombe. Parce qu'il y a un problème historique, il y a un problème d'archéologie aussi, ou d'anthropologie, sur l'histoire des traces. Parce que d'après le professeur Menganesso, le chef Limoila, il est enterré sur rue Poum numéro 2 dans la commune de Bandalou. De Bandalou, voilà. La limite entre Bandalou et Sélébao. Mais sa vraie tombe, c'est en face, ou dans le. En face de l'hôtel intercontinental. Aujourd'hui, c'est le grand hôtel. Aujourd'hui, c'est le grand hôtel. Ouais. Et ce que je dirais, c'est un sacrilège, parce qu'on a abattu l'arbre qu'on a enterré qu'on a planté lorsqu'on l'a enterré. Mmh. Et j'ai vu ça, moi, j'ai découvert cet arbre-là en 1987, donc à Bombay. Je ne savais pas que c'est lui qui était enterré là. Mmh. Lorsque je parlais je commençais à soulever le problème des sauvegardes. Notre patrimoine matériel et immatériel. Je parlais de cet arbre-là et puis le chef d'aller m'a dit, mais comment tu as su que c'est là où il y a enterré Irène Limoila? Je ne sais pas, je me pose la question. Parce que ça me dépassait qu'on puisse enterrer quelqu'un, mais ça, est-ce qu'il y avait des panneaux signalétiques qui expliquaient qu'il y a une plaque. Il y a cet endroit où on a enterré une personne en position de debout, et on a planté le baobab. Ouais. Donc en 2008, quand je suis parti à Kinshasa pour prendre des photos, pour illustrer dans mon livre, j'ai vu que le baobab est coupé. Ouais. Il n'y a aucune réaction, ni des Batekés, ni des baobos, ni des autorités de Kinshasa. C'est aberrant, je ne sais pas comment expliquer. Vous comprenez un peu tout ça? Est-ce que pour vous, justement, Kinshasa n'a pas compris la chance qu'elle a d'avoir encore des descendants des Tékés, parce qu'on vous dit qu'il faut réaliser cette histoire, redonner une place. Mobutu l'a fait peut-être en nommant Pierre Mbembe ministre, en faisant un bureau politique, et depuis plus rien. C'est peut-être au Batéké de se battre eux-mêmes aussi. Oui, c'est la charge des Batéké. Dont vous Moi, j'ai fait partie parce que j'ai fait des recherches et je me suis levé. Par exemple, si je peux citer, par exemple, il y avait au rond-point de Willery et Kalembele, il y avait un monument. Oui. Un monument à gloire du Bateke. Vous l'avez déboulonné en 1972. Oui. Par mes recherches, je parvenais à retrouver une photo de ces monuments. Oui. Alors, si on revient sur la personne de Narcos, dès le départ, dès ses premières chansons, il a réclamé son lien avec cette ville Kinshasa en rappelant qu'il est descendant de Ngaïma. Mais plus loin, il a voulu rappeler aux uns aux autres que ce fleuve n'est qu'une rue, comme l'avait chanté Grand Calais. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que la nouvelle génération, sans ces traces que vous évoquez, sans les découvrir dans ces livres, est-ce qu'on peut comprendre justement cette solidarité qui doit exister entre les deux rues du Congo? Oui, Narcos, il a milité pour cette solidarité entre les jeunes de Brazzaville et de Kinshasa. Mm-hmm. Quand il est venu ici en Europe, il a fait ça, parce qu'à l'époque, de la Mecque, dans la maison des étudiants congolais à Paris, rue Béranger, numéro 20, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et il y avait cette difficulté d'amitié entre les Congolais de Dérif. Oui. C'est Narcos qui a fait qu'on puisse revenir dans le. Comment dirais-je de revenir dans cette amitié. C'est Narcos. Là, il s'est appuyé sur la sable, comme fil conducteur. Oui, mais parce que pour lui.
dans sa tête, dans sa vie, il y avait toujours un seul peuple, Bateke, soit du Congo Brazzaville ou du Congo Kinshasa. Donc il a fait en sorte que ces jeunes-là puissent se côtoyer. Alors, Kitoa, vous avez travaillé là-dessus. Aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, est-ce qu'il existe des preuves que ce sont les Bateke qui ont donné Kinshasa au colon belge, par exemple? Bon, l'histoire est un peu... c'est un peu difficile à dire. C'est un sujet... Parce que vous dites que c'est Kinshasa, c'est leur appartient, donc c'est à eux. Oui. L'histoire est... C'est une question délicate. Oui. Dans ce sens que il faut comprendre les choses. Par exemple, le papa Mombele, comme on dit bien Mombele, il dit que la ville de Kinshasa est bâtie sur la terre de ses ancêtres. Oui. Donc, administrativement, c'est ce qu'il veut dire. Oui. Parce que Kinshasa, c'est très vaste. Hein. Yes, donc, on ne peut pas dire que tout Kinshasa appartient à Bateke, il y a Baoum, on ne peut pas les ignorer. Donc, c'est administrativement, le Léopoldville est bâti sur la terre de ses ancêtres. Donc là, en partant, disons, de Sainte-Anne, du port, la partie du port, Kinawa, Mongaliema, tout ça, ça fait partie des terres Teke. C'est pour ça qu'ils disent que Kinshasa, c'est leur appartient. Qu'est-ce qui prouve que c'est leur terre? Est-ce qu'il y a un document aujourd'hui qui peut s'en contenter et dire, voilà, nous avons la preuve que c'était les Bateke qui l'ont confié, qui ont donné administrativement cette terre aux colons sur quelle base le traité cela s'est fait. Bon, quand je dis qu'il y a une falsification de notre histoire, c'est que d'après mes recherches, dans tous les livres que j'ai consultés, que ce soit des manuels scolaires du Congo, on parle des pactes et des fraternités entre Stanley et Ngalema. Alors ça n'a jamais existé comme tel. Parce que c'est sur ces... Excuse-moi, on nous a toujours appris dans l'histoire qu'il y a eu deux rencontres entre Ngalema et Stanley. Et une première rencontre, et puis à la deuxième rencontre, c'est là qu'il lui a vraiment donné cet espace. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Oui. La première rencontre entre Stanley et Ngalema, c'était le 13 mars 1877. Oui. Donc ça, c'est la première rencontre. Et vous en parlez. Et je parle dans mes chansons, parce que Nyarkos, il cite dans la chanson Proclamation. Oui. Donc, on a des voisins. Ngalema. Et j'ai remonté un peu l'histoire en consultant ce que Stanley a écrit. Non, c'est fou. Bah, j'ai remarqué qu'en tant que son ami, parce qu'il parle de son ami. C'est vrai qu'il a ce statut d'ami. Oui. Mais ce n'est pas en tant qu'ami, il lui a donné la terre de ses ancêtres, Mongaliema ou les autres chefs. Il y a eu des traités qui étaient signés entre les chefs Mongaliema et les chefs. Ou des administrateurs de colonial. Oui, mais c'est entre Stanley et Ngalema. Donc, Ngalema, il y a le chef Kimpe, il y a le chef Ngancho, il y a le chef Ngambering, il y a le chef Kimbalapa, tous ces chefs-là. Pogotam aussi, lui, il avait déjà signé en 1882 les traités de concession. Donc, c'est ça, les traités de concession de Léopoldville, qui étaient signés entre le chef Teke, le chef Oumu, avec Stanley. Avec Stanley et avec Vac et les autres. Administrateurs que Léopoldville va nommer pour. Mais dans nos manuels, c'est écrit pacte de fraternité. Alors, ça n'existe pas, ces pactes de fraternité. Donc, une section de concession. Le Belge était censé louer la terre qui appartenait à ces chefs-là, à chaque fin du mois, des payer. C'était en location. Oui. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à la conférence de Berlin, les Belges sont accaparés sur sa propriété de notaire. Alors, donc, c'est vraiment très important par rapport à ces livres, avec les traités que j'ai ramenés ici, avec les traités, qu'on puisse corriger dans le manuel. Voilà, on va corriger de la manière. Mais il y a un aspect qui reste quand même très controversé, c'est-à-dire entre les Teke qui sont présentés comme étant de notre livre
et que la rive gauche du fleuve Congo était la terre des Mbou. Est-ce qu'aujourd'hui, comme on sait à dire que Kinshasa c'est la terre des Tégué, ce n'est pas soulever une nouvelle guerre sur la propriété de la rive gauche du fleuve Congo? Non, la guerre ne peut pas se faire. Hein, oui. Parce que déjà, il y a eu le problème avec la. À l'époque de Papa Mbele, Pierre Mbele et Semkira, oui. Il y a eu l'histoire entre le Bas-Congo, qui le Congo central, qui oui. avait annexé Léopoldville au Congo central. Avec à l'époque de Vital Mwanda. Vital Mwanda, voilà. Voilà, cette époque-là, la Bako. Ouais. Mais c'est Pierre Mbele qui s'est levé avec un groupe aussi des amis des Wumu. Se sont ralliés pour s'opposer à cette annexion. Mais pourtant, quand vous à la page 98 de votre livre, il y a un grand problème français des Batéké et Léopoldville à la table de 1960. Ce problème a été soulevé, et si je comprends bien, c'est par rapport à cette question de concession. Oui, mais c'est bien, Mbele, il est parti à. Il était parmi ceux qui ont participé à la table ronde en 1960, oui. en deux casquettes, en tant que membre de la partie, des partis politiques PNP, et en tant que chef coutumier de l'INIBAT. L'INIBAT, c'était l'Union des Batéké, qui était créée. Et PNP, c'était le parti de Boulkan. Oui. Donc l'INIBAT était créé effectivement pour combler les vides qu'il y avait. À l'époque, il n'y avait pas de membres influents de Batéké dans l'administration de Léopoldville. Donc, pour anticiper à la formation politique de l'État indépendant du Congo, donc c'est pour ça qu'ils ont créé INIBAT, pour avoir des membres qui pouvaient aussi défendre l'intérêt de. Des Batéké ou des ressortissants de Kinshasa, parce que Kinshasa, ça reste toujours une terre des Batéké et des Baoum. Donc il fallait qu'il y ait aussi des politiciens pour défendre l'intérêt de cette ville, de leur village. Alors oui, j'ai pris cette question juste pour que les gens comprennent, parce que grâce d'ailleurs à cette intervention à la table ronde, les Batéké ont pu récupérer entre guillemets le camp Mbele, par exemple. Les camps Mbele, on s'est donné à l'honneur de M. Pierre Mbele Semkira. Oui. Parce qu'il a défendu, on verra, pendant la table ronde, il revendiquait donc la terre de Kingawa, qui était son village, on les a expulsés, mais sans une contrepartie. Il y a par exemple, il a cité Bata, donc c'était la terre aujourd'hui, je ne sais pas, mais la société Bata à Kinshasa, c'est la terre des Batéké. Il y a le port fluvial, il y a le Petro-Congo, il y a l'HB, et pour ça, ça fait partie des terres Batéké. Donc, ils ont réclamé une indemnisation par rapport à cette exploitation. Donc, c'est pour ça. Il y a ces correspondances qui sont là. Ils sont repris dans le livre. Ils sont repris dans le livre. Il a milité et, en fait, les causes, il a gagné. On a confié 4000 parcelles. Que reste-t-il de ces. Notamment de cette fédération des Batéké qui ont été très influents dans les premières années des indépendances. Bon, ça n'existe plus une batte, hein, mais c'est Pierre Mbele, il n'est plus là, c'était le fervent, c'est lui qui a vraiment. Oui, mais on a connu quand même plus proche de nous, M. Bongo, l'ancien président du Gabon, qui a quand même essayé de fédérer de nouveau les Batéké. Bon, jusque-là, à ma connaissance, je ne vois pas le flambeau. Quelqu'un qui puisse se prendre le relève. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple batéké est offert hein, parce qu'il manque quelqu'un pour défendre la ville de Kinshasa. Est-ce que Stratos Diakos aurait été un bon porte-flambeau de cette communauté? Ah oui. Même dans ses chansons, il disait toujours Nathalie Kinshasa, Toto Baka, Batika, Namiyo, Kelima. Aujourd'hui, Kinshasa est devenu poubelle. Ça pue. Que vivant de Diakos, il ne pouvait pas imaginer ça. Quand il dit il a tiré une sonnette d'alarme par rapport aux Parisiens. Il investissait pour s'habiller. Ouais. Mais pour tout ce qui est. Il n'y avait pas de guerre à terre au pays. Non, pas uniquement les guerres à terre au pays. Ouais. Mais ici en Europe,
Ils ne se souciaient pas des vies sociales. C'était voit ton voit à bien s'habiller, à venir cher. C'est pour ça qu'il a dit voit ton voit à c'est bien s'habiller. Mais il faut penser aussi à la famille, à son environnement. Et donc, moi je dirais, c'est pareil aujourd'hui, s'il était là, il aurait dit voit ton voit à ici à Oulala. Donc, Kinshasa, c'est bien de rouler avec les 4-4. Parce que le cas c'est qu'à faire aujourd'hui. Le véhicule là, c'est une fuite à l'avant. On ne résout pas les problèmes. Voilà. Parce que quand on est bien habillé, avec, on sort de sa voiture, on va mettre les pieds par terre. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des immondices, des insalubrités, de l'inondation, tout ça. À la moindre pluie. Oui, mais c'est pas propre. C'est pas propre. Alors comment on peut se sentir. Moi, je ne sais pas hein, comment on peut se sentir à l'aise. Donc, ce qu'il a dit, ça reste vrai. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un philosophe. Voilà. Mais j'appelle ça la philosophie mondiale. Voilà. En tout cas, vous nous trouvez toutes les idées. Parce que Socrate n'a pas écrit. Oui. C'est ses disciples qui ont écrit Ménéacos, il a écrit. D'accord. C'est une chanson. C'est une chanson philosophique aussi. Kinshasa a eu des défenseurs qui, notamment Pierre Mbembe, qui ont refusé que Kinshasa soit rattaché à l'une ou l'autre des provinces, et pour que ce soit vraiment un terrain neutre. Mais pour que Kinshasa bénéficie de cela, il faut qu'on puisse demain dire aux uns et aux autres, voilà, ici, c'est la tombe de tel ou de tel autre. Or, vous l'avez souligné, tous ces arbres qui symbolisaient les sépultures de ces chefs sont coupés, on ne trouve pas toujours les plaques. Comment sauvegarder ce qui reste de l'histoire de Bateke avec cette ville, leur village, Kinshasa? L'exemple est la page de cette couverture. Ça, c'est à Kingabwa. C'est à la force, devant la force navale de Kingabwa, où est enterré le chef Vulamuke. Donc je suis parti là-bas, j'ai visité, j'ai pris des photos, donc c'est ça le baobab. Oui. Mais en parlant de ça, parce qu'il faut soulever aussi une chose, au camp lieutenant Kokolo, donc juste à la conclusion de ce livre, j'ai vu qu'il y avait un baobab qui est abattu là-bas, c'est devant la maison des commandants, au camp lieutenant Kokolo. Non loin de la clinique du camp Kokolo. Mais ce qui se passe, ce serait bien, vous voyez, il y a cet édifice-là. Oui. Je ne sais pas exactement, ça correspond un peu avec la tombe des chefs Vulamuke. Vous voyez, il y a le baobab qui est abattu juste à côté. Mais on ne sait pas. Oui. Parce que d'après la coutume teke, lorsqu'on enterre un chef, et à on côté, plante on un baobab. Voilà. Est-ce que ces baobabs ne correspond pas à la tombe d'un chef teke qui est enterré là-bas? C'est la question que je pose dans le livre. Donc j'aimerais bien, si quelqu'un sait, puisse nous répondre. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais montrer aussi. Donc il faudrait quelque part marquer avec des plaques ces différents lieux. Par exemple ici, ça c'est le... Vers le port. Vers le port. Oui. Il n'y a rien qui indique à ces baobabs. Parce que c'est le grand, on appelle ça, c'est le bar grand baobab. Oui. Dans le temps, c'était l'ancien marché. D'accord. De Bateke. De Bateke. Entre les deux rives, donc on venait de deux rives pour faire son marché là-bas. Donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sites. Voilà, ça c'est par exemple c'est ce qui existait entre Wileri et Kalembelembe. C'est la. Donc c'est un peu le pacte entre le colon et le chef Teke. Le chef Teke. Ouais. C'est disparu. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup à Kinshasa. Mais c'est là arrivé maintenant. Au Bateke et au Baoumbu, de créer un comité pour répertorier leur patrimoine. Comme ça, je sais qu'il y a toujours, ces projets-là des musées Teke et Oumbu à Kinshasa. Bon, sûrement un jour, ça. On va le construire et on pourra mettre tous les patrimoines là-bas. Même aujourd'hui, on parle des mausolées. Tout le monde avoir le mausolée à Kinshasa. Oui. Mais lorsque quelqu'un qui vient, qui arrive à Kinshasa, qu'est-ce qui prouve que c'est dans ces terres-là, il y a des Baoumbu et des Bateke? Donc c'est à eux maintenant cette responsabilité de restaurer leur patrimoine.
de sauvegarder leur patrimoine. En tout cas, mais comme vous dites, ce patrimoine, ce n'est pas seulement le patrimoine des Batéke ou des Baoumbou, mais ça devient le patrimoine de tous les Kinois. De tous les Kinois et du Congolais. Parce qu'être un ministre, ce n'est pas simplement gouverner, mais il y a aussi l'histoire qui entre en jeu aussi, qu'il faut gérer. Oui. Donc c'est le rôle aussi des ministres de la culture et des peuples Baoumbou et Teke. Moi, je rappelle votre livre, hein, c'est Histoire des Batéke à travers Ngaliema, Pierre Monmele, Strevos Niakos, Mvula Moke et Lingwala. Lingwala, vous le citez, c'est un peu comme le dernier de la lignée. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la succession de Ngaliema continue à se faire à Kinshasa? De quelle façon? C'est-à-dire que tous les chefs, c'est-à-dire quand un chef meurt, sa succession s'est faite et où est-ce qu'elle se fait? Non. À ma connaissance, même le. Parce que le dernier, c'est Lingwala. Lingwala, vous la moquez. Vous la moquez, il est décédé, mais après, je ne sais pas qui l'a. Qui lui a succédé. Il a succédé. Ouais. Mais c'est aussi cette organisation, c'est Batéke, à refaire leur histoire. Mais pourtant, du côté de Brazzaville, les successions se font comme par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi, du côté de Kinshasa, on n'arrive pas à faire revivre? C'est une question d'entente. Oui. C'est une question d'entente, une bonne entente pour s'approprier, même les jeunes, s'approprier. Le livre est là, ils cherchent à lire et à s'approprier de leur histoire. Oui. Mais je pense que ce livre, oui, doit être remis entre les mains de la nouvelle génération pour qu'elle comprenne que c'est son histoire qui est là et peut-être à la rendre accessible. Il y a beaucoup de choses encore à partager. Et moi, je vous invite, en tout cas, à vous approprier ce livre qui est disponible. Comment on peut se le procurer, M. Manon Akitoa? On peut trouver ça à la présence, la librairie Présence Africaine à Paris, ou chez Armatan, ou moi-même. Moi, j'ai quelques exemplaires aussi. Est-ce qu'on peut aussi le commander? Parce que pour ceux qui sont loin, est-ce qu'il y a possibilité de le commander en ligne? En ligne, pour l'instant, il n'y a rien encore fait. Vu que c'est auto-édité, hein, comme vous avez posé la question. Ouais. La conception du livre, donc du début à la fin, c'est moi-même qui l'ai fait. Et je l'ai auto-édité sans le soutien de qui que ce soit. De qui que ce soit. Mais pour vous, c'était vraiment effacé. J'appelle aussi solennellement à ceux qui s'intéresseraient à me soutenir. Parce que c'est très important. Même dans l'éducation du Congo, dans les manuels scolaires du Congo, que ce soit intégré certains passages ici pour corriger les erreurs qu'on a eues depuis des années et des années. Moi, je vais juste lire deux lignes. Léopoldville Kinshasa a été bâti sous la volonté de deux personnes, Ngaliema et Stanley. Ngaliema a joué un rôle prépondérant lors de cette construction. Il était un grand chef animé d'un esprit de bâtisseur, de visionnaire, et d'une volonté politique et d'unité du peuple. Et il faudrait, comme vous dites, il avait eu son monument, peut-être que la nouvelle génération réhabilite ce monument, effectivement, et le remette à sa place. Effectivement. Même M. Pierre Monmele Samkir, il mérite avoir un monument, même au Kamumbele. Je lance aussi un appel, parce que lorsqu'on entend parler des... Les enfants, les jeunes des Kamumbele, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ouais. Donc, devait aussi assumer cette responsabilité, penser aussi à M. Pierre Monmele Samkir, qui s'est battu pour la neutralité de Kinshasa. Donc, si Kinshasa est aujourd'hui, en grande partie, il y a son combat qui mérite d'être salué. En tout cas, merci encore une fois, Kitoa Manwana, juste parce que vous avez un nom, il faudrait le dire à nos auditeurs. Manwana, c'est aussi ce combat, cette combativité qui vous caractérise. Oui, effectivement. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, monsieur Joseph Poulou. Voilà, donc c'était l'entrevue avec Manwana Kitoa, auteur et chercheur, qui a publié ce livre sur une nouvelle page de la connaissance de l'histoire de Kinshasa à travers les grands chefs Batéke, Ngaliema, Monmele, Strevos Niakos, Mvula Moke et Lingwala. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.